Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir tous ensemble le pack de contenu gratuit qui met en scène les personnages secondaires de l'histoire. Donc à savoir... Oh shit! L'armurier et sa fille. La fugitive et le chef de la police. Et... le soldat qui fait partie donc de l'escouade venu récupérer le virus G. Donc voilà, on va commencer par le deuil attendra donc. Voici l'histoire d'un futur qui ne se réalisa jamais, d'une nuit sans aube. En regardant le petit corps inerte à ses côtés, Robert Kendo retourna son arme contre lui-même. Mais alors qu'il allait appuyer sur la gâchette, il entendit la voix d'un vieil ami à travers sa radio grésillante. Robert, mon pote, réponds! J'ai dégoté un hélicoptère pour nous sortir d'ici. Rejoins-moi dès que possible. Je bouge pas jusqu'à ce qu'arrive. Ce type avait toujours été têtu, alors qu'il avait une idée en tête. Rien ne pouvait l'en détourner. Pardonne-moi, Emma. Papa doit y aller. Robert se leva. Son deuil attendrait encore un peu. Et donc sa petite fille est morte. Et on joue donc ce qui se passe après. Allez, c'est parti, Robert. C'est drôle comme ils ont mis les musiques dans les DLC, alors qu'elles sont absentes dans le jeu original. On sent qu'ils ont beaucoup hésité. Ici l'officier Mills. QG, répondez. Ici QG, quelle est la situation? On a un nouveau type de monstre, avec leurs yeux luisants. Ces saloperies font vraiment flipper. Mon partenaire en a battu un à bout portant. La créature y est restée, mais elle, en mourant, elle a libéré une sorte de fumée violette. Merde. Officier, restez calme. Mon partenaire a pris cette fumée en pleine face. Depuis, il n'arrête pas de tousser. On dirait qu'il a du mal à respirer. C'est quoi ce bordel? On n'était pas censé s'occuper de ces saloperies avec du gaz PZ? Calmez-vous. Dépendant actuellement confirmation au département de R&D de Umbrella. Fermez-la! Le gaz, il y a un problème avec. Au lieu de les tuer, il les a fait mut. Oh, c'est un monsieur raccoon variant doré. Par contre, ouais. Ok. Donc ça ressemble fortement au Hunk là. On a des munitions de départ. Ça ressemble pas mal au mode mercenaries de Resident Evil 3. Genre tu commences à un endroit précis avec un set d'armes et de munitions de soins et tu dois arriver au point. Ah, c'est vite, de nouvelles sortes de zombies. Ah, ça fait plaisir ça. C'est vraiment kiffant ces petits modes quoi. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça gratuit.
Assez étonnant d'ailleurs. D'autres zombies qui veulent se joindre à lui? Ah non! Il y avait un liqueur! Oh putain. Voilà, là, ça tourne mal. Ça l'a cramé. Je me suis fait avoir, mais c'était pour la bonne cause, on va dire. Vite, 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 vite. Hop. Merde. J'ai pas été assez rapide. Maître Tofu m'a dû t'enseigner pourtant. Ah mais j'ai pas de soins. Ouh, ça va être compliqué. C'est quoi ce bordel? Putain, ça... Il y a des chutes de framerate là. C'est un parachute. Un zombie sorti de Resident Evil 6. Il y a derrière Raccoon. Oh. Merde, je l'ai où? Sac à dos. Mais lol. Resident Evil 2 Battle Royale bientôt. Ok, je suis en stress là, on va où? Ah, c'est par là. Merde, mais je suis juste en rouge, je me suis fait avoir bêtement. Ah, le liqueur qui arrivait derrière moi, je m'y attendais pas là, j'avoue. J'aurais dû faire tomber le mec avec son. Avec son réacteur dans le dos là. Merde, je vais par où? Je change le commissariat et les égouts. Fuck. Il m'a dit d'aller où? Devant le commissariat, j'imagine. Ça ressemble beaucoup à Hunk, mais avec des armes moindres. Et avec un point de départ différent. Quelqu'un veut se joindre à la fête. Oh. Ah oui, il avait un... Ça veut dire qu'il avait un sac, ouais. Ah non. Eh ouais. Bon, on va essayer d'aller plus vite. Ça c'est con là, j'aurais dû prendre le pompe. Je savais pas qu'il fallait le tuer pour pouvoir le looter. Oh là là, le boom. Non, t'es sérieux? Ok, il y a l'Icar qui va me faire chier. Non, ce que je vais faire, il faut que je fasse tomber. Tombe. Voilà. Putain, je manque, je prends la gueule aussi. Ça va. On peut passer là. Ah, ouh, c'était chaud. Et voilà, j'ai fait le meilleur coup tout à l'heure. Fait que j'ai eu plus vite. Mais c'est quoi l'arme qu'il avait? Et merde.
bon pour faire, je crois. J'aurais dû rush, putain, j'ai oublié. Mais c'est pas possible! Oh, fuck! Bon, allez, on sait comment faire maintenant. Ça devrait le faire. Ah, le bâtard! Non. Putain, t'es sérieux? Mais non. Faut tomber, monsieur. Putain, j'en prends plein la gueule à chaque fois. Faut rush là. Chaud. Non, rush, on rush, on rush. Tout droit, c'est tout droit. Merde. Ah, j'ai dû les réveiller trop tôt. Shit. Oh. Come on. Oh, oh merde! Il s'est mis à toucher ce connard! Allez! D'un coup c'était le moment, putain, pour crever! Là où je me suis fait avoir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les réveiller. Non. Ok, c'était pas prévu comme ça. Merde. Ça, ça rappelle Resident Evil 3. Les moments où on doit attendre que les ennemis se rapprochent d'un point explosif pour tirer dessus. Ça fait bien plaisir quoi. C'était absent du jeu. Absent d'aventure de Resident Evil 2, ça me fait plaisir de le retrouver ici. Bon, je m'en sors pas si mal pour l'instant. Du coup, niveau munitions, ouais, j'ai encore la masse. Et j'ai crafté de la merde. Donc ça doit être assez long encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Des plantes. Ah, je peux en prendre qu'un. C'était vert, rouge ou bleu. Bah... Eh ouais. Et ouais, le mieux c'était probablement rouge pour faire rouge plus bleu. À condition d'être full life arrivé là quoi. Pourquoi je sens que ça va être compliqué? Donc je viens de là, je peux aller à l'atelier prendre l'ascenseur ou descendre ici. Lui il a un sac. Donc je le tue.
Fusilé. Ah, ça prend de place. Ah putain. Ah mais oui, c'est parce que j'ai crafté ces merdes de munitions là. Aïe aïe aïe, je dois utiliser ma plante. Et je vais où d'ailleurs? C'est compliqué. S'il te plaît. Merde alors! Faut que je loot lui. S'il te plaît, mais défends-toi! Mais putain, même un zombie a plus de force, c'est quoi ce délire? J'ai tellement de munitions encore. C'est tellement long. Bah ouais, mais je vais crever, on sait. Une plante. Une plante bleue, du coup. Oh, cette utilisation à la con que j'ai, quoi. Donc j'ai un mélange. Ouais, c'est parfait pour ce que. Pour ce que j'ai, ça. Oh, elle était pour ça la grenade. Oh s'il te plaît, me mets pas de poison quoi. Oh putain, on se coule. Là il y a deux endroits là. J'ai envie d'aller là malgré tout parce que quitte à crever, autant prendre un monsieur raccoon s'il y en a un. Quelle logique de merde. Et voilà, j'étais sûr. Mais bon, du coup, mes chances de survie sont presque nulles là. Non, oh, il toussait. Comment pour me débarrasser de cette merde, moi? Vas-y, passe, passe, passe. Oh là là. Mais si je m'étais pas fait empoisonner, quoi. Ah ouais. Ça, c'est fini. Mon petit Robert. Eh ouais. Ouais ouais, non mais c'est sûr. Je me suis condamné là en parlant. Mais bon, j'étais déjà mal en point. Au moins j'ai eu le monsieur raccoon. Je pense que c'est pas mieux pour passer des liqueurs par contre. Ah je vois pas comment. Enfin si, peut-être si je laisse le mec venir à moi. Genre, je dis hey, je suis là. Là il avance, donc je le laisse venir vers moi. Ouais, c'est comme ça. Ouais, faut me laisser passer par contre. Ouh! Ah, mais je sais pas. Ah, eux, faut pas. Sérieux. Mais je comprends pas là.
Bah si, je comprends. C'est bon, j'ai compris. Le mec, j'aurais pas dû m'approcher, j'aurais dû le faire tomber de loin. Ouais, ouais, c'est dangereux parce que j'étais empoisonné. Ah mais je suis mort là. Ok. Bon, bah j'ai compris comment faire. Ah le poison, c'est vénère. Non mais c'est bon là. Je maîtrise le début. Pas évident hein, ces petits modes. C'était 3 étoiles. Celui d'après c'est 2 étoiles. Par contre il y en a encore... Le dernier est vachement dur apparemment. Ouais, bah, c'est cool que ce soit gratuit mais... Après ouais, ouais c'est les mêmes environnements aussi, faut pas déconner quoi. S'ils font des DLC payants, il y aura certainement des nouveaux environnements. Hein. Ça peut être sympa. Eh ben, tu vas tomber. Ouh. Ok, c'est là où je me suis planté. Là. Faut surtout pas avancer. Voilà, tu te laisses venir. Maintenant, t'y vas, tu fonces. Parfait. Donc là, il n'y a pas de raison de se faire toucher jusque-là. Là, on rush, ça passe. Là, il faut que ça passe sans avoir attaqué quoi que ce soit. On descend, ça sert à monter. Ça doit toujours se passer comme ça. Lui, il faudra s'en servir pour tuer les autres. Donc là, il faut que je les réveille. Ou alors juste, si je peux arriver à tuer lui, et passer. Ça marche aussi. Donc là, on a poudre noire grande. Avec ça. Et pareil. Oh putain, c'est pas instant. Allez, bâtard. S'il te plaît! C'est bon. Bon, c'est dangereux, mais c'est ce qu'il y avait à faire. Alors moi, ce qui a intérêt à la tuer pour le score final. Donc là du coup je vais prendre la rouge, c'est parfait. Et après je prendrai verte plus rouge. Verte plus bleu. Comme ça je ferai un bon mélange. Et normalement je devrais être bon. Alors là. Là j'étais pas allé voir ce qu'il y avait. Il y avait des zombies apparemment. Un monsieur raccoon. Non, il fait que dalle. Ah, je me suis bloqué. C'était pas l'endroit où il fallait aller. Il faut que je défonce le zombie à me faire chier. Oh là là. C'est quoi, j'aurais dû peut-être faire vert plus bleu là. Oh là là. Faut que je passe. Faut que je passe. Il me faut le distributeur là, absolument. C'est fermé. Mais quel enfer!
Ok, très bien. Donc là, je pouvais pas savoir, mais j'aurais dû claquer le damage reduce. Ce qui est sûr, c'est que c'était l'autre chemin avait l'air plus safe. Bon. Non, mais y a pas de raison. Le début, je maîtrise. Je suis dégoûté, mais voilà quoi. Comme ça. Maintenant, on connaît. C'est quand même sacrément die and retry ces modes-là. Hein. Oh merde! Difficulté entraînement. Pour se familiariser avec le placement des ennemis, des objets et trouver la meilleure stratégie. C'est quoi ça? Tête de tigre. LOL, énorme. Énorme. Bizarre qu'il n'y ait pas ce genre de choses pour le mode solo. Enfin, en tout cas, on en a pour son argent avec ce jeu. Non seulement il est super bien, mais il y a pas mal de choses à faire, vraiment. Surtout comparé au jeu original, quoi. On pouvait s'attendre à beaucoup moins. Hein. Ah le bâtard! Mais comment est-ce qu'il peut m'avoir au cou alors qu'il était par terre? Tu sers à rien! Mais je suis con ou quoi? Merde, il fallait rush. Ils sont tous réveillés. En fait, il fallait balle de pompe dans la tête du mec par terre pour prendre son loot. Et rush. Ah, ça me gonfle. Sérieusement? Phase, on va pas être copain. On va pas être copain. Mais pourtant je l'ai passé facilement la première fois. Je crois que j'ai claqué des balles de pompe, tout simplement. J'ai tous éliminé aux pompes, tranquillement. Bah ouais, il faut s'en servir quoi un jour. C'est soit ça, soit se taper les 3 ou 4 monstres G là. Ça c'est délicat cette salle là. Merde, il était pas mort! Arrête! J'ai envie de tous les tuer ici, franchement, je me fais niquer à chaque fois. Oh! Mais combien il lui en faut? C'est une safe zone ici. Sauf que mon état il est pas safe par contre. Allez, dégage!
Allez, fous le camp. Ils ont refermé, allez. Je sais pas comment faire, j'avais passé bien une fois là. J'ai réussi à juste looter et me casser. C'était passé juste, mais là j'y arrive plus. Fuck. Ok, lui là. Allez, viens. Allô? Faut venir, monsieur. Je vais le faire tomber dans les escaliers. C'était le risque. Putain, j'aurais dû le tuer en fait. Ça passe, ça passe, ça passe. Tu déconnes. Tu déconnes. Me soigner, quelqu'un. Donc là, ici, c'est une balle de pompe et on passe. Et on essaye. Ça paraît compromis. Génial! Excellent! Je crois qu'on peut pas passer vite. Non. On peut pas passer vite ici. Bon, il faut vraiment tous se les faire. A chaque fois je meurs. Ce qui est bien, c'est que la moindre erreur est punitive dans ce mode. Vas-y, viens. Je vais te montrer comment ça se passe ici. Passe comme ça. Voilà, là c'est parfait. Ça fonctionnera à chaque fois. C'est peut-être pas le mieux à faire si on veut speedrun le machin, mais c'est safe. Ça prend peu de balles, c'est ce qu'on veut. Ici il faut les tuer, pas les stun donc. J'y vais au pompe. Lui, il peut exploser, donc faut pas trop se rapprocher. Alors le problème c'est qu'il me faut deux places là. Et j'ai trop de balles de tout, donc je vais utiliser le pompe un peu là. Du coup, je peux toujours pas prendre ça. Il faut que j'utilise encore une balle. À quel moment t'as encore envie, toi? Tu te fous de ma gueule? Ma reine était parfaite. Putain. Je
Chong, tu commences à m'énerver. C'est hallucinant. Il veut pas mourir le con. Ok. Là il y a encore un sac. Et c'est compliqué hein. Je vais faire une grande quantité de balles de pistolet. En fait il y a un souci là, c'est que niveau place c'est pas possible. Mais j'ai pas le choix, j'ai trop de poudre noire. Et là il va me falloir une place supplémentaire. Putain, il se relève ce coup. Donc c'est à dire que je vais devoir combiner les deux là. Le problème si je combine les deux c'est que je pourrais pas prendre la poudre verte après. Enfin je pourrais pas la combiner avec la rouge. Ah mais j'ai pas le choix, je peux rien faire. Ah ouais je peux la laisser, non. Non j'ai pas mal de balles de pompe là. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mes balles de pompe. À mon avis y a plus rien après. Faut que j'utilise des balles de pompe et que je revienne en crafter quoi. Non mieux. Je vais au distributeur et je reviens. Par contre, prendre la grenade, c'était pas con. Non plus. Passer le machin, on verra comment je vais m'y prendre. Parce que dans tous les cas, il y a moyen que je sois obligé de me faire toucher. Attends, mais je vais être obligé de faire de la place là dans tous les cas. Je vais l'utiliser contre le machin, je vais essayer de le tuer le machin. C'est pas le run opti, mais bon. Je vais tuer le machin avec le fusil électrique. On verra ce qui se passe après. Comme ça, je fais de la place. Mais d'où tu sors, toi? Ah, il lui fait... Génial. Oh, mais je dois le soigner, finalement. Je te jure. La petite surprise! La petite surprise du chef! Cette salle de mort, quoi! Je me soigne, du coup. Ce qui me permet de prendre des poudres. Ouais! On est content. Le mieux, enfin le plus rapide, c'est de prendre la grenade du coup. Pas se faire toucher, juste prendre un petit rate damage reduce. Pas besoin de se soigner. Prendre la grenade pour l'utiliser sur lui et hop, tu files. Ok, donc là il y avait le raccoon, donc on va avancer tout droit. Je me débarrasse de mon arme à mon avis, assez vite. Ah, il y a encore un objet, super. Je peux aller là ou pas? Non. Oh, on peut prendre un magnum, effectivement. Ou des cartouches, mais le problème c'est que j'ai plus de place. Enfin si, je pourrais utiliser deux balles de pompe pour alimenter mon truc. C'est une bonne arme. Hein. Non, le magnum ça ira. Chaud.
Tu veux pas exploser toi? Non, ils veulent pas. Oh, il avait un réacteur. Faut que je fasse de la place là. Donc là, je pense prendre des munitions de ça. Et ici des poudres encore. Alors le souci c'est que il y a une poudre que je vais pas pouvoir, prendre. Bon, au pire on reviendra la chercher si besoin. Oh merde. J'aurais pu passer là. Finalement, on viendra pas la chercher. Tendu ? Merde. Oui, ça devait tous s'éclater en même temps, mais ça a pas fonctionné comme voulu. Au secours. C'est pour ça qu'il y avait un couteau. Dégoûté. Je suis dégoûté. Non, je suis dégoûté. Tu crois que je suis dégoûté? J'aurais pu m'y prendre tellement mieux. En plus, j'ai gâché des balles bêtement. Et je me suis fait niquer en voulant en économiser. Non seulement j'ai pas économisé des balles, mais en plus j'ai fait n'importe quoi. Des fois, trop réfléchir, c'est pas bon. Utiliser des balles de pistolet sur la plante, c'était une erreur. J'aurais juste dû la griller avec le... avec le fusil électrique. Elle serait tombée, elle m'aurait plus fait chier. Et c'est pas un drame de pas ramasser tout ce qu'il y a là, dans les sacs, quoi. Non mais la plante, c'est vraiment le pire truc qui peut m'arriver quoi. Ah le bâtard, il m'a feinté. Résistance putain de chinois. Vas-y, explose, je sais que t'es du poison. Là. Poudre noire, grande quantité. Voilà. Donc le problème maintenant, c'est que... c'est que je peux plus prendre le bordel là. À moins de claquer ça. C'est toujours le même problème ici. Il faut que j'utilise 5 balles de pompe. J'ai 5 balles de pompe de trop là. Ou alors je claque les deux là, mais. Non, j'aime pas faire ça. Il faut que je prenne le soin. Je prends le soin et après.
Je tue le zombie là qui a... Oh, j'ai tous été tué. J'ai vidé mon pompe. Comme ça je peux tout prendre. Donc là il y a une saloperie dans... par terre là. Je sais pas où il est exactement, il me casse bien les couilles. Ou alors ils viennent derrière, je sais pas. Là j'ai envie de prendre le soin quand même. Et il faut que je puisse prendre le fusil électrique, il est trop fort. J'ai besoin du soin, surtout que je me suis fait toucher quoi. Je me serais pas fait toucher. J'aurais peut-être pu prendre la grenade et passer en force. Et après prendre plutôt le magnum peut-être, je sais pas. Donc l'autre il attend juste que j'aggro l'autre ou ça se passe comment en fait? Il y a une saloperie là normalement. C'est ça, il attendait juste que j'aggro ce connard. Dommage! Il attendait que je la grosse, cet enculé. Comme quoi, passer en force est la meilleure solution. Mais il meurt jamais, c'est con. Je vais le griller l'autre. J'ai oublié de maintenir. Oh, tout ça pour ça. Mais non. Merde. Ah, la limite de l'inventaire me casse les couilles. Donc je prends quoi là? Des recharges pour cette arme, non? Ou le couteau? Putain, je suis dégoûté. Attends, y'a pas un mec. Lui là. Lui normalement il devrait pouvoir exploser. Mais faut qu'il avance aussi. Recule pas, avance. Il revient à sa place. D'ailleurs s'il pouvait exploser sur la plante. Mais elle est où la plante? Merde! Il est où l'autre avec sa putain d'explosif là? Et le mec avec la plante, il est où? Bah là, il veut pas se relever avant un moment. Il y a pas mal d'ennemis.
Merde! Putain, je pensais l'avoir et à chaque fois il me nique comme ça, ce con. Faut que je les tue là. C'est tentant d'utiliser ça, le problème c'est que ça. Ça sonne pas comme je voudrais. Oh, c'est pas si fou que ça. Hein. Je garde trop mes armes. Je dois peut-être aller dans l'entraînement finalement. Au moins je verrai à quel moment ça se finit, si je peux économiser ou pas, si je dois économiser ou pas. Donc là je peux monter. Ici. Mais ça mène là. Ok. Ça mène là, salle de surveillance. Ah bah, c'est la fin. Donc je dois aller là. Mais je peux aller aussi chercher un distributeur. Ce qui me semble tout à fait safe. Une plante rouge. Pour la combiner. Un petit raccoon par là qui traîne là. Dans l'aération. Dans le conduit là. Non. Je pense qu'il y en avait un dans la salle trop chaude avec les. Avec les 4 monstres G. En vrai, l'autre chemin était... Non, j'allais dire plus safe, mais pas du tout. Ah, c'est sûr, quand on connaît, c'est pas si difficile, non, mais... Faut savoir quoi faire, à quel moment, quoi. Ouais, t'as le droit de tomber, hein. Là, il manquerait plus que des monstres plantes. Je vais bien me la mettre dans le cul. Attends, c'est par où? Tout droit, y'a quoi? Un coffre, on peut pas ouvrir. Un petit raccoon par là. En face, y'a quoi? Y'a un stock. Un mélange. Ah, je vais utiliser une balle de pistolet, deux balles de pistolet, tant pis. Comme ça, je vais pouvoir prendre ça et la combiner. Je vais pouvoir prendre ce mélange là, ça. Voilà. Oh putain. Pourquoi on nous propose d'aller par là, je ne sais pas. Il a pas l'air mort. Bon, j'aime gâcher des balles. Faut tomber, monsieur.
Ça va être la fin ou moi ce qui nous feinte? Comme avec Hank. Oh, y a une horreur là. On va rush là. Ah, c'est là où Birkin nous poursuit. Il m'a pas empoisonné là. La plante, je vais la griller. Merde. Il y a l'autre con derrière moi. J'ai encore un soin au pire. J'ai peur que ça se passe mal. C'était quoi cette salle? Je suis à la fin, foutez-moi la paix, j'en ai marre. Ok, ça va, ça va, ça va. C'est bon, heureusement j'ai la protection. Le magnum était nul, hein, je pense. Je pense qu'il aurait pu servir. T'as dit moi que c'est la fin là. Ok. Donc au final, ils font style que. Ils se sauvent le cul quoi. Donc le mec il doit abattre sa fille. Le mec, la seule chose dont il aurait voulu c'est se tirer une balle après. Mais non, il se sauve le cul et tout va bien. Comment rendre nul la seule séquence émotion du jeu en un DLC? Voilà, merci Capcom. Attends, j'ai mis 21 minutes quand même. Ouf, ben voilà. C'était le deuil attendra et on ne m'y reprendra plus. Donc, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, à la prochaine pour... essayez la fugitive, et si c'est trop court, vu qu'il n'y a que 2 étoiles, on fera également le soldat oublié qui, lui, pour le coup, risque de bien me péter les couilles. Allez, à plus!